Juliette, merci pour ton follow. Ça commence bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez le son du jeu? Et est-ce qu'il n'y a pas un écho bizarre? Première chose. Pas le jeu. Trop bien. Attends. On va refaire des tests comme la dernière fois. Ça arrête pas de changer ce truc, ça me saoule. Alors, là, est-ce que vous l'entendez? Oui, pour la voix. Ah, c'est relou. Les paramètres, ça va être tout l'inverse que la dernière fois. De la dernière fois. Plutôt fou. Ah, y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, toujours pas le jeu. Non, mais là, il n'y a plus de musique, par contre. Attendez. Je rentre pas dans le jeu, moi aussi. Du coup, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Comment vous allez? J'ai même pas posé la question, du coup. C'est la fin de semaine, y en a marre, y en a marre. J'ai même pas fait le tour de tous les gens qui avaient ici. Du coup, je fais un coucou général. Je suis très contente de vous revoir. Côté YouTube et côté Twitch. On entend? It's good, madame. Oh là là, t'as fait un effort. J'ai eu un bruit. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bon, bah, parfait, alors. Super, c'est revenu à la normale. Vous avez aimé la nouvelle petite musique d'intro aussi? Trop contente pour ce genre de détails. Bon, alors, écoutez. Les gens. J'ai plus le chat. Voilà, c'est bon, je l'ai. J'ai entendu une porte. Voilà, c'est ça. 5 sur 5, parfait. Comment ça va? Bah écoute, je suis... C'est la fin, non, c'est le début. Je suis complètement cassée, mais c'était mon dernier jour de boulot avant les grandes vacances, donc là je suis... Bravo! Je suis joie dans ma tête, même si ça se voit peut-être un peu moins, franchement c'est... Twitch, non c'était fait exprès. Je sais que c'est Twitch, mais des fois je dis des bêtises comme ça, c'est... Faut pas chercher. Elle est chou la musique d'intro, hein, t'as vu. Comment tu trouves les pépites de fer? En tapant sur des cailloux. C'est totalement aléatoire. Les grandes vacances. Là, j'en pouvais vraiment plus. Donc, je suis soulagée.
Bon, alors, il y a Viviane. Pourquoi est-ce qu'on stream Animal Crossing ce soir? Hello les girls, coucou Tony! C'est parce qu'il y a eu une mise à jour, hein. Je pense que vous êtes à peu près tous au courant. Champagne! Non, j'aime pas! Qu'est-ce que tu pourrais me filer à la place? Sangria, c'est bien sangria. Ouais, donc nouvelle mise à jour qui ajoute ben, la plongée, entre autres. C'est la grosse Oh feature. yeah. Sweet! 11 mois que je hante tes subs Twitch, me faufilant dans l'ombre, passant les doigts sur les murs, faisant craquer la vieille tapisserie. Mais c'est parfait en vrai! T'as vu un peu la récompense? C'était pas du tout fait exprès! T'as vu la récompense pour tes 11 mois? La petite épée. Je sais pas si t'as. Si tu. Cause côté YouTube que je puisse t'ajouter d'ailleurs aussi. Juste un bonjour, hein, c'est juste comme ça au moins je peux accéder à ton pseudo pour te rajouter la petite épée. Je peux vous montrer les habitants, ouais, tout à fait. Alors, juste petit briefing avant qu'on commence. Ça va être un petit live, hein, je m'arrête vers 23h. Merci Sweet encore une fois d'ailleurs. J'ai très peu eu de temps de jouer aujourd'hui. Je pensais vraiment avoir le temps de voir un petit peu la mise à jour avant de faire live ce soir. Et en fait, pas du tout. J'ai à peine fini mon tour quotidien. J'ai même pas encore déterré les fossiles. Voilà. J'ai fait mes deux objets. Il faut que je fasse le plan ce soir aussi, que je trouve chez un habitant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré ma bouteille. J'ai récupéré mes pêches. Enfin, la récolte de tous les 3 jours là. J'aime Harry Potter, tout à fait. Ouais, YouTube pour les alertes, c'est tout pourri. Du coup, il reste les fossiles, il reste le plan du soir et bah, découvrir la mise à jour parce que, à part avoir acheté la combinaison dans la boutique, j'ai rien fait du coup. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle catégorie dans la bébétopédie, j'ai vu qu'il y avait bah, du coup la nouvelle collection, qu'on pouvait les mettre au musée, mais j'ai rien pêché, j'ai pas plongé, j'ai rien fait du tout. T'as besoin d'un jardinier, tu veux squatter? Tu veux squatter? Viens, on fait de la plongée ensemble. Il y a Viviane qui observe mes fleurs, c'est génial. Voilà. Donc, c'est le gros bordel. En plus, je me suis arrêtée en milieu. Enfin, je suis partie au travail comme ça. J'ai l'inventaire qui est blindé. Comète, d'ailleurs, j'ai d'autres plans à te proposer. Je les pose ici, et puis petit à petit, je te les envoie, ok? Là, j'ai le sol plage étoilée. Et là, j'ai la poêle de sauna. Le poil de sauna plutôt. Mince. Est-ce que j'ai des trucs à mettre? Ça, je vais le poser parce que je vais le mettre dans l'inventaire, enfin dans l'entrepôt. Le reste, il faut que j'y vende. J'ai des nouveaux poissons. Je sais plus si je l'ai donné celui-là. Si, ça, je l'ai donné. Celui-là, il est nouveau comme insecte. Il faut que je le donne au musée. Je ferai ça avec les fossiles. Il faut que je vende le reste. J'ai Pollux aussi. Il faut que je lui file mes poissons, du coup. C'est une catastrophe. J'ai eu le temps de rien. Je suis tellement soulagée de. C'est fini. C'était mon dernier jour. Bye bye jusqu'à septembre. Je crois qu'il y en avait deux ici. Il y en avait un en haut, il y en a un ici. Ah, je sais où il est le dernier. Je vais récupérer, j'ai 3 places. Donc déjà, je vais prendre les fossiles qu'il y a ici. Il est où l'autre là? Je passe 15 fois devant. T'as vu... Le personnage observe une tortue, il en a jamais vu ou quoi? Non, il observe. Elle observe les plantes, les fleurs. Les habitants ont tendance à observer les fleurs, mais là j'avoue que. On dirait qu'elle observe la tortue. Ah ouais, j'ai rien dit, peut-être qu'elle observe la tortue. C'est chelou. Ou alors elle est coincée, elle veut regarder les fleurs qu'il y a derrière. Parce qu'ils ont tendance à vraiment passer des plombes devant les fleurs. Avec une loupe ou avec un bouquin. Alors, Sweet, du coup, je vais t'ajouter par là. Où es-tu dans mon chat YouTube? Je reste pour le début. Ah, coucou Laurie! Sweet, 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 je t'ai trouvé. Voilà. C'est bon, c'est bon. Sam, je dis pas non. Je vais prendre à mâcher. Je retenais l'alerte du resub en otage. Je voulais pas ouvrir YouTube et devoir actualiser. Oh, c'est chou. Bien sûr que je veux plonger avec toi, madame. Bonjour tout le monde.
Catastrophe. Quoi, catastrophe? Enfin les vacances, ouais. Oui. Coucou d'Allemagne. Ouh. Plus le temps passe, plus je veux ce jeu. C'est l'effet Animal Crossing, exactement. Alors, on va aller vendre le poisson à Pollux. Déjà, ça va nous faire des places dans l'inventaire. Il y a plein de trucs qui volent dans tous les sens. C'est terrible. Il est là, il bouge pas. Comme ça, on aura la place de récupérer le dernier fossile et on va pouvoir aller les mettre au musée. Enfin, les faire expertiser en tout cas. Achète-moi le poisson. La plongée, c'est trop galère sous la pluie. Écoute, j'ai du bol parce qu'il pleuvait toute la première moitié de journée. Et là, non. Alors, ce sera peut-être moins sympa de nuit, j'imagine. Mais au moins, il pleut pas. Pauvre Comet. Qu'est-ce qu'elle a, Comet? Ah oui. Bah oui, il a plongé. Je viens de lui répondre, littéralement. C'est terrible. Je m'enfermais dans ma maison. Franchement, au début, ça me déprimait. Et puis, en fait, j'ai tellement de fleurs et tellement la flemme de les arroser que du coup, à chaque fois qu'il pleut, je suis genre... Oh, trop bien. Peut-être on va avoir des hybrides. Ou alors, oh, trop bien, des gros poissons. Et finalement, ça me dérange pas tant que ça. J'ai Céleste chez moi si jamais... Ah. C'est intéressant ça aussi. J'ai cru avoir entendu un cadeau, mais non. J'ai les cartes là du coup. Hein. Ouais, tout à fait. Ils sont où les autres poissons? Parce que j'en ai déjà pêché 2 sur 5 du coup. Je vais juste voir où se pêchent les autres. Tout le temps sur le ponton, le marlin, ok. Océan, Napoléon, de 4h à 21h. Ah bah ça c'est passé, loupé. Lune de mer, 4h à 21h aussi. Bon bah loupé. Et les deux autres, je les ai. On va essayer de choper le marlin. Enfin, en passant. Parce que les poissons de ponton, on va pas les faire venir avec des appâts. C'est rare quand ils sont là de même. Jeter, toi, je crois. Je crois avoir récupéré toutes les flèches aussi, je suis pas sûre. Mais... Des fois, je passe devant des arbres et puis le lendemain, je me rends compte que j'ai oublié des pêches. Je fais pas gaffe. Allez, tous chez Sam. Tu veux qu'on voit ton île en live ou pas, Sam? Tu t'en fiches? S'il y a Céleste chez toi, j'imagine qu'il doit y avoir des étoiles filantes. Ce serait sympa, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu. Bah, il n'y a pas de gros poissons ici. Angie, bonsoir. Sac de Dora l'exploratrice, tu peux tenir 1000 babioles dans un petit sac. Exactement. Ou le sac d'Hermione, au choix. Ou Mary Poppins, aussi. Mais Mary Poppins, son sac, il est gros quand même. Hermione, c'est un petit sac bandoulière. Tu t'en fous, couplet, ok. Elle est moche comme ma tronche, mais t'es con-con, toi. Pas possible. Bon, alors du coup, ça c'est fait. On va aller porter les fossiles. Il me manque toujours un, bien sûr. Ah! Pardon, excusez-moi. Ça, je l'ai pas encore attrapé. Ce serait... Mais pourquoi tu veux l'arroser, débile? Ce serait pas mal pour le musée. Voyez-vous. Non! Oh non! Il a dit ce pire! Il y a des trucs qui volent de partout. Je sais pas du tout à combien j'en suis au niveau des insectes. Il y en a tellement. Il y en a genre... Il y en a 21. Ça fait bucu, hein. Ça fait bucu. Je crois que j'ai les 3... Ah non, il y a 4 cigales. Je dois avoir la moitié, je pense. On va voir l'île de Sam. Toujours aussi cool tes lives. Merci Lola. Bonjour Nolwenn. Perso, au Québec, c'est le gros soleil. Ouais, c'est approximatif en ce moment. Il y a des éclaircies et puis beaucoup de nuages.
Là, le ciel est bleu, mais bon, la nuit tombe, alors... C'est ouvert, venez quand vous voulez. Ok, je vais aller poser mes fossiles. Ah, j'ai une place ou pas? On va aller voir si Zoé, elle a pas le plan du soir. Alexis, je t'ai vu en ligne. Viens donc en live. Mais que fait-il? Ta robe. Ouais, elle est magnifique. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du sport. On va pas te déranger. Vous voulez? Ouais, j'ai pas relevé. J'ai pas relevé. Je vais voir quel plan c'est, si ça vous intéresse les filles et que vous voulez venir après. Le récupérer. Mais tape pas la maison, elle t'a rien fait. Bonjour, bonjour. Ah oui, quand je dis il y a 21 insectes, c'est... Ah oh, mais Alexis, il a ton motif. Il est pas là, c'est dommage. Oui, je parlais juste des insectes de juillet, hein, évidemment. Je vais aller l'engueuler sur Messenger, attendez. C'est ouvert là-bas? C'est ouvert, il y a quelqu'un ou pas? Non. La maison, elle t'a rien fait. C'est comme les arbres. Elle tape tout le temps les arbres. C'est pas moi, hein, c'est elle. Je suis pour rien. Ah, c'est Boubou qui fait le craft. Comment on fait pour les étoiles? Il faut regarder le ciel et quand elle passe, t'appuies sur A. Faut pas avoir de matos dans les mains, sinon ben forcément tu fais l'action. Alors. On joue, oui certes. C'est toi le maire de l'île. Le maire? Comment on peut appeler? Tom Nook, c'est pas vraiment le maire. Marie peut-être? Non? Ouais, c'est plutôt la RH. Je sais pas si vous entendez mes notifs. Porte-manteau en fer. Ah, je crois que je l'ai. Ouais. Je sais pas si vous voulez les filles, ça. Bah donne le plan, va. Je vais le donner à quelqu'un. À boule. Porte-manteau en fer, ça ressemble à quoi? J'ai trop de petites pastilles. Porte-manteau en fer. Ah mais oui! Mais j'en ai un en plus. Je suis con, hein. Bonjour Anna. Un cône orange, bleu, rouge. T'as vu? Une vieille tortue mâle qui se balade avec sa canne en bois. Non, tu confonds avec Maître Splinter, toi. Commode en bois de fer en trop. Ah non, j'ai plus ça. Il devait croire que c'est toi le maire. C'est ça, mais ça c'était avant. Tortimer. Ah, d'accord. Ouais, non, pour moi, ça, c'est le maître Splinter. Ah, mais non, Splinter, c'est pas une tortue. C'est le rat, putain. C'est les tortues ninja, les tortues. Mais en plus, il y a personne qui me corrige. Hein. Vous êtes encore plus fatigué que moi. Hein. Bah oui, c'est un rat. Merci de me le dire après que je l'ai dit, Sweet. Franchement. Ah, Yevoyur alors. Yevoyur. Salut. C'est pareil, j'ai pas vu non plus l'intérieur du musée depuis les changements avec les nouveaux ajouts. De la nouvelle. Enfin, nouvel ajout de la collection. Que puis-je expertiser pour toi? Tu vas pas me le trouver encore à tous les coups, celui qui me manque. Aïe. Sam. Sam. Sam qui me soudoie pour que je vienne sur son île. Bonjour Osana.
Pas spécialiste en tortue ninja. Hélas, notre musée dispose déjà de ces exemplaires. Merci Chloé. C'est mal de se planter. C'est pas très clean non plus. Un trou noir pendant 2 minutes. Que se passe-t-il? On plante Cassie et on l'arrose avec de la pluie. Ouais. Je vais dire oui, du coup la pluie, c'est... oui, ça arrose forcément. Viens, on est bien. Regarde ce qu'on peut faire. Je vais aller vendre mes fossiles en trop avant que ce soit plus 22h. Enfin, qu'on ait passé 22h. Avant que ce soit avant 22h. Vous voyez ce que je veux dire? Avant que ce soit plus avant 22h. Là, c'est dans le bon sens. Il n'y a pas de gros poissons. Oula, ça fait du bubule! Bah ouais, logique. J'ai voulu taper l'eau. Bon, attends, Sam, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir récupérer le plan de... Je vais dire comète. Non, c'est comète. Comète, pas du tout. Céleste. Et après, je reviens faire de la plongée. Parce que c'est un peu... l'objectif. Salut, Bichonne. Je crois qu'elle avait des puces, mais non. Oh, elle arrose. Regardez. Elle a une toge. Je lui ai donné une toge, ça lui va trop bien. On va pas la voir. Ah, regardez. Je sais pas si ça... Regardez, ça lui va trop bien. On dirait genre la petite tenue champêtre qui vit dans la nature. Telle une romaine. Et le feu, ça brûle. Oui, oui, tout à fait. Et le, ça mouille. C'est le coquillage le plus rare et le moins cher. T'as rien perdu, t'inquiète, Sam. Un Pokémon. C'est vrai que c'est un nom particulier, quand même, hein. Comment ça, tu plonges? À qui tu parles en disant ça? C'est compliqué, hein. Ouvre Messenger. Oh! Salut. Ah! Ah mince, j'ai oublié d'emmener ça au musée. Crotte de bique. Je lui ai donné le kimono à Marina. Ça va bien avec ses joues. Oh. 16 900, ça rapporte les fossiles, hein. Allez, go. Ah, j'ai pas racheté le filet. Il me manque un filet en rab. J'ai des problèmes. Il en faut toujours deux. Est-ce que je l'ai racheté? Non, je crois pas. Ben non, là c'est vide. Est-ce que, Sam, tant que je viens chez toi, est-ce que tu as le porte-manteau en fer? Je te l'amène ou pas? Ah, quelle heure il est? 40. Oh, je prends mes pêches, je vais les vendre chez toi. Aucun pouvoir ma table. Ouais, non, mais ça, c'est un des coquillages les plus trouvables. J'ai de la place encore? J'ai plus de place. Alors, on va poser ça. Est-ce que je veux quoi? Hein? Céleste en habitante, c'est clair. J'invite tes clochettes. Et encore, vous avez pas vu le compte en banque de cette partie, hein. J'ai plus de 4 millions d'un côté. Franchement, ça, c'est rien.
Vite, 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 vendre les pêches chez Sam. Maurice, j'en ai marre de toi. Bon, je prends le plan avec moi, les filles. S'il y en a une qui le veut, vous le prenez, je le poserai. Et puis... voilà, 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 voilà. Bonne soirée, Zoé. Tu joues depuis longtemps, de façon générale ou ce soir? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Si un jour les animaux de compagnie sont dans le jeu, seront dans le jeu car il y a des gamelles et des arbres à chat. Eh, bonne question. Je crois que c'est bien mieux que je puisse pas la voir. Bonjour les insomnies pour jouer avec vous. La solution, ne plus dormir. C'est compliqué quand même. Depuis quand, de façon générale? Depuis 2 jours après la sortie. Il est sorti... vas-y, vas-y, vas-y. Lance la machine, Maurice, tu causes trop. Oh, il est sorti. Il est sorti le 20 mars. Je l'ai acheté le 21 et j'ai commencé à y jouer le 22 au matin, puisque j'ai pas eu le temps le 21. Et voilà. Bon vent, l'ami. Bise à toi, Laurie. Vivre dans Animal Crossing, t'imagines? Vivre dans un donjon, c'est difficile. Pour une fille de 11 ans qui a la monnaie. Il te reste quelques places sur ton île? Non, je suis full. J'attends que Bajou s'en aille vers d'autres cieux chez Sam. Pour que je puisse avoir quelqu'un d'autre. Fonce. Vive Gad. Je suppose que tu me conseilles de l'acheter. Ah bah tout dépend ta façon de jouer. Parce que c'est un jeu qui se joue vraiment sur la longueur, qui est calé sur le temps réel, hein, ça vous êtes au courant. Donc c'est vraiment appréciable si tu aimes jouer sur la longueur. Si tu rushes tout les premiers jours, non peut-être les premières semaines, tu vas vite t'enlacer. Farmer et prendre le temps de farmer, et si c'est pas trop ton truc, tu vas vite t'enlacer aussi. Et coucou les copines. La symphonie des coucous. Voilà, mais sinon, franchement, ouais, j'ai... Oh, il y a Blaise. Attends, déjà, il faut que je vende, mes trucs. C'est où déjà? Attends, attends. Elle est où? Il est où? La boutique, c'est de l'autre côté, que je suis con. Mais oui, pour moi, ça a été une très 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 bonne surprise. C'est pas une licence à laquelle j'avais joué avant et qui m'attirait particulièrement. Là, ça a été la révélation. Attends, je suis en train d'essayer de reconnaître ta musique, là. Ah bah oui. Pardon. Achète-moi des trucs. T'as regardé ton cours du navet aujourd'hui? 177. Ouais, je te vends toutes mes pêches. Ah mince, j'en ai loupé une là-haut. Ah bah je vais te prendre un filet ici, tiens. On se paye le loyer en AV, exactement. Zoé, ah d'accord. Petit coloc, tout ça. C'est ça. J'ai acheté ma vie à la ferme sur Switch, il est super. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu? Dans Animal Crossing? 74 000, c'est bien. Tu m'as escroqué, mais qui? Dans Animal Crossing, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire? Alors... déjà... tu as toute la partie habitante à faire, c'est-à-dire t'installer, installer les nouveaux arrivants avec toi et aller jusqu'à 10 habitants comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu choisis les emplacements des maisons, c'est intéressant,
Tu choisis les emplacements des bâtiments, c'est-à-dire les boutiques. Les boutiques elles-mêmes vont évoluer avec le jeu. Donc s'agrandir, etc. Tu as le musée, où il faut que tu le complètes, forcément. Donc tu as plusieurs collections à compléter selon le temps dans l'année. C'est-à-dire que selon les saisons ou les mois, tu n'as pas les mêmes choses à faire, à récolter, à attraper. Donc forcément, ça te prend du temps. Après, tu as aussi tout l'aménagement de l'île, finalement. En fait, tu as une quête, on va dire, principale, où il faut que ton île arrive au stade qui puisse accueillir Kéké, la vedette. Donc on va dire que ça, une fois qu'il est sur ton île, tu as fini la trame de jeu de base. Après, tu as tous les à côté, c'est-à-dire vraiment choisir tes habitants, aménager l'île, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux la terraformer, donc tu peux détruire tout ce qui est déjà existant et tout refaire comme tu veux. Tout ce qui est déco, tout ce qui est les chemins sur l'herbe, etc. Voilà, et puis effectivement, remplir le musée, c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, tu as des gens qui n'aiment pas que ça dure trop longtemps et qui préfèrent faire des avancées de temps avec la console. Voilà. Ou alors tu fais selon comment ça suit le cours du temps et du coup c'est forcément plus long. Je sais pas trop si je résume les choses comme il faut, mais j'espère t'avoir expliqué au mieux toutes les possibilités de ce que tu peux faire. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, faut que je vous file le plan. Je sais pas qui veut le récupérer. Vous faites comme vous voulez. Battez-vous! Ah mince! Oui, c'est vrai. Je peux pas mettre sur la place. Alors. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il... Ah mais non! Tu m'as déjà envoyé le sac. Je suis bête. J'ai rien d'autre à prendre? Ben non. Non, c'est bon. Coucou! Tu m'as très bien expliqué et convaincu. Ah bah, voilà. C'est une grosse découverte et en fait, il y a tellement de trucs à faire. C'est pareil, les fleurs, t'en as de base et puis après, tu peux faire des hybrides. Donc ça, pareil, ça peut te prendre du temps selon si les fleurs sont aptes à vouloir évoluer comme il faut. Elle est où, Céleste? Dites-moi. Sam. Qui est qui parmi les persos? Alors. Attends. Là, t'as Carrie. Là, t'as Carrie. Avec le chapeau, c'est Comet, non? La queue le. C'est quoi ça? Vous faites quoi? Ah oui, elle est là. Alors, j'aurais tendance à dire chapeau, Comet. Et du coup, avec le petit haut rouge, c'est Sam. Vas-y, donne-moi le plan. C'est quoi? Fais coucou pour que je te reconnaisse. On va faire la photo. Alors, c'est quoi? Horloge étoile. Oh yes, je l'ai pas. Elle m'a fait une feinte. Regardez, attends. Ce serait trop classe s'il y avait une étoile filante qui passait juste au moment de la photo, quand même. Mais... Sam, dans Comet, tourne-toi. Eh, faites un petit truc, là. Mais, il y a Céleste qui photobombe. Viens dans la photo, Céleste. Non, reviens. Reviens. Oh, j'en peux plus. Reviens, Céleste. Attends. Reviens plus par là. Plus par là. Mais elle est con-con, alors, hein. Céleste. Bon bah elle sera de dos. Voilà. Oh c'est mignon. Elle passe derrière. Oh là là. Ouais donc. De gauche à droite. Ah. Oh trop bien. Sam, Comet, moi et Carrie. Enfin Caro. Du coup, mais j'ai l'habitude de t'appeler Carrie. Ça fait bizarre. Merci les filles. Trop bien. Le décalage. Ah c'est terrible.
Oui, on peut télécharger des vêtements. Enfin, on peut télécharger des motifs qui après s'appliquent aux vêtements, en fait. Vous êtes choupinette. Tu me l'enverras. De quoi ? Qu'est-ce que je t'enverrai ? Vous êtes belle. La belle brochette. Oh, c'est terrible. Ah, mais vous avez le même haut, mais oui, j'avais pas fait gaffe. Bon, alors, il y a des étoiles filantes ou pas, là ? Comète. Céleste, elle nous a entubés ou... Ou bien ? Ah, la photo ! Oui, bien sûr ! Faut que je la mette sur... Faut que je la publie sur Twitter pour pouvoir la récupérer, en fait. C'est chiant. Elle va se baigner. Ah bah attends, viens, je me baigne ici, hein, en fait. J'avais prévu de me baigner chez moi, mais j'ai mon maillot. Attends. Moi, j'ai le jaune. Vas-y, on n'a même pas le même, les filles. C'est génial. Avec le chapeau. Putain. Ah si, Carrie, on a le même. Oh, putain. Bah, grosse découverte pour moi, du coup, hein. Oh, regardez. C'est trop bien. Eh, en vrai... J'ai horreur des profondeurs marines. Mais alors là, dans le jeu, je trouve ça génial. On peut faire ça ? Dans l'eau ? Alors attendez, comment on fait déjà ? Comme ça ? Oula ! Oh. On peut pas aller plus vite que ça ? Pourquoi elle remonte ? J'ai rien compris. Oh. Y'a que mon casque de remodel, super. Power Rangers. Chloé, c'est la mise à jour d'aujourd'hui, justement. La mise à jour permet de faire quoi ? Bah, justement ça. De plonger, et du coup, ça te débloque une nouvelle collection de trucs trouvables dans la mer, en fait. Que tu peux compléter pour le musée. Donc en fait, pour le musée, t'as à compléter les fossiles, les poissons, les insectes, les créatures de la mer et les œuvres d'art. Ça fait beaucoup quand même, hein, c'est sympa. Hein. Faut peut-être qu'elle respire, tu crois. T'as plein de sacs de clochettes. Pourquoi tu me dis ça? J'en ai deux. Pourquoi ils se voient? Ah, avec... Ah! Ok, on peut aller loin? Je pense pas, hein. C'est un peu lent, quand même. On peut faire avec B. Ouais, mais c'est pas plus rapide. Ah non, A. Ah! On s'éloigne un peu beaucoup, quand même. Ça me rassure pas. On se rentre dedans! C'est un peu... C'est... Oh la vache. C'est pas rassurant. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oh là. Ah mais c'est là qu'on peut descendre, non? C'est là qu'on peut trouver des trucs? Ah ça c'est peut-être plus intéressant en journée en vrai, non? Et après je fais quoi? Ah mais c'est là! Attends. Et après on fait quoi? Attends, après je remonte, j'ai rien compris à comment on trouve des trucs. Attends. Comment on fait? Ah là, il y a un truc. Ah, avec Y. Oh, bordel. Ah, une méduse. Ok. Tant qu'elle se transforme pas en homard garou. Non. Putain. Ça remue l'eau quand tu applaudis. C'est génial. Des vraies sirènes, c'est ça, des Justines partout. Et encore, elles ont pas mis leur masque. Eh, mais je l'ai en vrai, je peux l'ajouter? Ah mince, bah non. Dommage. Faut le mettre avant, j'imagine. Hein. Vous êtes des flippers. Merci Sam. Attends, là-bas, il y a un truc.
Je te vole tes créatures, hein, Sam. Ah là, ok. Putain, faut voir l'ombre. Hein. Qu'est-ce que c'est ? Une balane. Un croisement entre une banane et une baleine. C'est un vrai truc, la balane ? Sans déconner. On voit à quoi ça ressemble. Ah, c'est pas beau. Ah ouais. Le claquement des mains. Ouais. Pour jouer avec d'autres joueurs, ouais, faut le Switch Online, ouais. Ça, c'est relou. C'est plus joli sur AC qu'en vrai, ouais, on est d'accord. Il y a des concombres de mer. Non. On va lui voler. On va faire le tour de l'île de Sam sans capter. Il y a la carte qui s'affiche. Ah non, on reste dans le même coin quand même. On va lui voler tous ces trucs marins. C'est super beau comme graphisme, ouais, tout à fait. Oui, c'est un crustacé. Ah, j'ai hâte de faire ça de jour, par contre. Oh, ça va être trop beau. Ah, ça bouge. Ça bouge. Bah oui. Oh, un pétoncle. C'est le mari de la pétante. Ils se sont surpassés, hein. Se sont surpassés. Deux jours, tu vas te régaler. Ah, franchement, j'ai trop hâte. C'est dommage, du coup, que je le fasse ce soir pour découvrir, mais là, pour le coup, j'avais envie de jouer aujourd'hui. Oh putain, il y a un poisson en plus. J'ai envie de jouer aujourd'hui et je pouvais pas autrement. Donc, mais j'ai des mice. Je débarque un peu là. Les jeux de mots, c'est terrible. Hein. It's terrible. Ça n'a pas marché. Là, on se fait troller par la pierre. Bah. On a mis du temps, hein. Oula. Oh, purée. Par contre, c'est agréable de se remettre à courir. Hein. Mais elle est trop bien, ta pierre. Pourquoi j'en ai pas des aussi bien, moi? Ah oui, attends. On peut sauter. Merde, attends, si je cours pas, ça va pas marcher. Ah bah non, c'est pas ça. Oh, le fail! Comment vous faites? Oh, ouais, c'est un loupé quand même. Hein. C'est plus la bombe humaine qu'autre chose. Oui, c'est toi qui crée ton perso. J'arrive pas à faire le plongeon. Ah, je vais mettre ça, là. Il est comment? Oh, purée, il est vert. Ah, vert et jaune, c'est magnifique. Je vais peut-être enlever le chapeau, quand même. Hein. Voilà. C'est plus mieux. Hein. T'avais été écrasé sur la pierre. J'arrive pas à faire les saltos. Moi, j'arrive même pas à faire un plongeon normal. Vas-y, comment vous faites? C'est totalement aléatoire, en fait. J'ai l'impression. C'est le jeu qui va décider qu'à tel moment, tel saut va faire ça. Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites ce soir? On essaye de faire des bonds dans l'eau. Ah! Trop bien! Comment être heureuse pour rien? Ouais, c'est ça. Je fonce et j'appuie sur A. Mais genre, au début, j'étais pas sûre de moi, quand même. Ça marchait moyen. Oh, c'est trop bien. Je suis ravie. Je suis ravie. C'est magnifique.
entre la compétence fabrication des Sims, là, pour ceux qui ont vu l'épisode d'aujourd'hui, et ça, c'est bien d'être content pour rien, non? Ça met la joie. Ouais. Ah, j'aimerais bien être aussi à l'extérieur. Et du coup, avec le masque, ça change quelque chose ou c'est juste esthétique? Par rapport à ce que tu peux faire dans l'eau. Ouh, il y a des bibules. Les bibules, les bibules, les bibules. Qu'est-ce qui est joie? Nous sommes joie. J'ai vu que tu pouvais sauter du ponton et de l'aéroport. Eh bien! Et une tentative de meurtre multiple sur ta personne, tout à fait. Alors, on voit pas. Ah si! Ah, ça se déplace! Oui, enfin, logique. Je vais te dire à chaque fois, tu sais. Ah! Ouais, c'est juste esthétique. Oh, bordel! Oh, c'est moche, ça! Un poulpe! Oh, poulpinette! Elle est pas là! Mais c'est pas beau, hein. J'ai tellement ri et reculé pour revoir la scène. Coucou Angélique, ça va et toi? C'est génial. Et les copines, elles sont parties. Je suis genre toute seule dans l'eau. Ah non, j'entends. Ah non, elles sont là, ça va. Je veux un masque... Le masque vert, c'est pas trop mal. Je préfère un bleu. Mais j'ai regardé toutes les possibilités de maillot. C'est pas ouf, quand même. C'est dommage. Ça change tous les jours dans la boutique. Mais au total, il y en a pas énormément non plus. Ah, dans les super nanas. Oh là là. Le maillot à l'ancienne, ouais. Il y a une autre sorte de maillot qui est plus jolie, je trouve. Mais au total, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que deux modèles. Et assez peu de couleurs, quand même. Ouais. J'adore comment elle saute avec les jambes écartées. C'est n'importe quoi, genre. Paf, les fesses. C'est la soirée plonge, tout à fait. Le petit chat. Salut. C'est génial. Un dessin animé Super Nana, oui. Belle, bulle et rebelle. Le soleil brille sur Townsville avec les Super Nana. Putain, elles sont... la vache. Elles sont très rapproches à tes maisons. Hein. Tu nous fais une banlieue de grande ville? Le plus beau plongeon, exactement. Coucou Léopold. Qu'est-ce que tu as fait pendant tes 3 heures de live? Cassie, j'ai plongé d'une roche avec les filles, exactement. En 3 heures, t'es gentil, hein. Il nous reste déjà plus que 55 minutes de live. C'est un petit live ce soir. Puis j'ai couru. Voilà. On a quand même 4 nouveautés pour rentrer. C'est bien. Par contre, ça, je l'ai pas du tout remis à sa place. Voilà. C'est bien. Et là, on a quoi? Ah oui, le chapeau de paille. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Tu ne manques pas, je suis un aménagement. Oh là là. Non, moi, c'était fort chouette. Avec le masque, du coup. Ah ouais, j'ai gardé mes sandales, t'as vu? Mais c'est relou parce que ça change pas toute la tenue, ça change juste la combi. Donc après, il faut tout que tu enlèves manuellement, enfin que tu remettes ou quoi, donc... Oui. Paillasson. Merci, sweet. Le retard. Coucou Orfeo. Tu peux nager, je sais pas comment faire. Il faut que tu mettes ton maillot, que tu t'approches et que tu appuies sur A.
là, c'est aussi simple. Ouh. Il y a des maisons partout. Oh, la petite fleur toute seule. Oh, on va lui vouer un culte, regarde. Elles reviennent du coup. C'est génial. Vas-y, venez, on se met autour de la fleur. Mais... Ah, loupé. Mais... Oh putain. Je te jure. Et elle se marre. Non, c'est pas ça. Tu peux rejoindre ton île. J'ouvre pas aux gens que je connais pas et je suis pas sur mon île. Actuellement. Bulotin, Bulotin, merci. Le tentative de meurtre à l'appel, c'est ça. Féo. Comment c'est déjà? Le regard intense. Ça les a affolées toutes les trois. Bon, alors, il n'y a aucune étoile. Il y a Céleste et franchement... Starnac. On peut peut-être en avoir une ou deux pour le live quand même, s'il vous plaît. Il est joli le ciel ce soir. Mais, Stéphie... Allez. Une ou deux étoiles et puis après on laisse Sam tranquille. Il est où le maillot? Faut que tu l'achètes à la boutique, mais là 22h, du coup c'est trop tard. J'ai assez de points pour nommer un animal sur Stardew. On en a beaucoup trop. Maggie. Maggie. Il n'y a pas d'étoile. Pourquoi Maggie? J'allais dire Maggie et les cafards, mais non, c'est Oggie et les cafards en plus. Oh, regardez! Je sais pas si vous le voyez, mais genre, l'arbre avec les poires à droite, il y a un scarabée rouge dégueulasse dessus. Il est énorme. Il bouge en plus. Il y a Carrie devant. Oh, c'est génial. Ah, une habitante que j'adore. Ok. Mais... Oh, va le prendre. Sérieux? Est-ce que je l'ai pas, celui-là? Attends. Je vais pas me faire des frayeurs pour rien. Est-ce que c'est lui? Ça doit être lui, hein. J'ai l'impression que c'est lui. Attends. Attends. Tu m'autorises à piquer tes insectes, toi. T'as vu une comète passer? Non! J'attends exprès pour ça. Excusez la grimace. Ah si, c'est lui, Kabuto. Ouais. Une fille simple de la campagne. J'ai mon public. Ouais, on est sur l'île de Sam. Parce qu'elle avait... Elle a Céleste. Mais il y a... C'est dommage pour les étoiles. Putain. À ce moment-là, sérieusement. J'en voulais au moins une. C'est dommage. Tristesse. Oui, ça, mais il y a le Netta. Salut Damien, ça va et toi? C'est
Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Quand j'en ai par dizaines. Et après, plus rien pendant des plombes. T'auras la fée suprême. Bon bah tant pis. Bon, on va peut-être la laisser tranquille, la pauvre Saminouchette. Hein. Ça me fait rire, toutes les fleurs que t'as placées en thème. Putain, mais trop bien, en vrai. T'as fait un bon enchaînement, là. Oh, bye bye. On va rentrer. On va aller mettre tout ça au musée. Ah. Et puis aller voir le musée, du coup. Parce que j'ai pas vu la nouveauté. Enfin, j'ai pas vu comment c'était intégré. Je te laisse, je vais me coucher. Demain, je pars dans ma maison de vacances. Eh ben, bonnes vacances à toi. Ouais. J'ai commencé un petit peu en retard aussi. Enfin, en retard par rapport à ce que je voulais. Rénover ou réaménager, de quoi? Maillet, c'est pas du tout. Bouh? Qu'est-ce qu'il y a, Aurélie? D'accord, non, en fait, c'est que la nouvelle collection des créatures marines est intégrée au musée. Je crois pas qu'ils aient une nouvelle... 1, 2, 3, 4. Je crois pas qu'ils aient ouvert de nouvelles salles, mais je crois que ça a été intégré, j'imagine, au côté poisson. J'ai pas regardé du tout encore. Donc, j'ai croisé comme quoi c'était intelligemment intégré. Donc, je vais aller voir. Il fleurit. Tout petit peu. Ça se trouve, je vais avoir une étoile chez moi. Alors. Attendez. Ok. Il y a ça à récupérer qu'il faut que je mette au musée. Où qu'il est. Ah. Ah, je vais faire tout le reste. Oh, venez, 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 venez dans mon inventaire. Mais qu'est-ce que vous avez, les filles? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas suivi. J'ai fait le tour comme ça. Je suis teubée un peu. Regarde en passant si je croise pas des trucs sur les arbres parce qu'il y a tellement d'insectes moi aussi que je pense que j'en ai quand même pour un moment. Puis ils se ressemblent tous. Il y a genre 4 cigales, 15 scarabées. Wesh. C'est moi. Oh, j'ai une créature marine. Oui, tout à fait. J'en ai 4. Ah mais non. D'accord. Ah c'est la première fois. Ok, ok. Ok, ok, ok. Un pulpe. Il est pas bon. On peut poser la question. Cette merveille de la nature, m'en feras-tu don? Ben évidemment. Il est sous la pour ça. Toujours pas trouvé le fameux insecte de la dernière fois. C'était quoi? Splendide poulpe! Quand même, hein. Mais lequel? Quel insecte? Je me rappelle même plus. La minute abomination sur pattes. Le dernier du mois de juin. Mais je les avais pas tous moi en juin? Vas-y, tu me fais un peu peur là. Je l'ai fermé le truc du mois de juin. Je sais plus ce que c'était la liste. Aïe aïe aïe. Animal Crossing. Insectes. Juin.
Qu'est-ce que c'était? Mouche, fourmi, Bernard l'ermite, psyché, papillon de nuit, araignée, grand planeur, guêpe. Mais non, mais ça, c'est toute l'année, on s'en fout. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! C'est ça? Attendez. Non, ça c'est juin? Putain. Ouais, c'est bien juin ça. Mais je vois pas du tout quel insecte, j'arrivais pas à voir. Tu fais quelle danse? Dernier 2 juin. Oh Sam, j'avais pas vu! Oh, merci! Je sais plus comment qu'il s'appelle, mais vous me mettez le doute là, ouais. On dirait que Thibaut il a fait un AVC, absolument. Ah, mais il est en train de me raconter le machin, je lui ai dit oui. Oh là là, tais-toi. Ouais. Mais je sais plus du tout, moi, ce que c'était comme insecte. Ça me dit un truc bizarrement, attendez. C'était pas un insecte sur les arbres? Putain, je sais plus. Bonjour Anissa, merci pour le follow. Un marron. Mais tu l'avais eu. Ah! Je sais même plus lequel c'est. Pour ta mémoire. C'est ta faute. Si tu m'avais pas demandé, j'aurais pas bugué du cerveau. C'est ta faute, c'est tout. Je rejoins Orfeo. Oui, bon, je peux te faire une donation maintenant, là, ça suffit. Alors, ça, 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 et ça. C'était quoi? Oui, déleste-moi, oui. Oulala. Bon, j'imagine que c'est un tes gros poissons. On va aller voir la poiscaille. Allez. Tu acceptes les CA. Qu'est-ce que c'est? Orfeo. Ah, les codes amis. J'y étais pas du tout. Non. J'ouvre pas ma console et mon jeu, enfin ma console et mon jeu, aux gens que je ne connais pas, je suis navrée. Mais c'était quoi comme insecte? Vous me perturbez là. Alors, où est-ce que ça a été intégré cette affaire? Il y a une salle en plus où ça a été intégré comme ça? Il y a des bassins, il y a beaucoup de poissons quand même, hein, les pauvres. Un abat-jour. Un abat-jour? Ah, pour ressembler à un abat-jour, d'accord, ok. Oh! Oh! Pardon! C'est la première fois que j'ai un habitant qui visite mon musée. J'ai jamais vu ça, c'est génial. Je vais prendre une photo avec toi, ma biche. Non, 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 t'en vas pas. Tu t'en vas pas du tout. Reste là, reste là. Ah, c'est pas très beau, ça. Attends. Non, elle se tourne. Ah ça, c'est très réaliste par contre. Vous avez vu? Les petits poissons qui suivent le requin. Ah bah là, il y en a un autre, là, regardez. Le petit requin qui suit le requin. Mais elle... Ah, elle monte, elle monte. Viens, 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 viens. Où tu vas, Marina? Reste avec moi. Stalk là. Je vais aller voir. Non mais franchement. J'arrête pas de voir ça. Oh c'est génial. J'arrête pas de voir ça sur les réseaux. Et moi j'ai jamais eu d'habitant qui vient dans mon musée. Et qui regarde et qui est trop mignon. Alors je suis beaucoup trop contente là. Ouais comme ça c'est bien. Ouais. Ouh, reste là, reste là, reste là. Hein.
Oh, c'est trop bien. C'est trop chou. Regardez comme elle est choupette. Relève ta tête. Non, t'en vas pas. Oh, dommage. C'est trop choupi à travers le hublot. Elle est trop chou. Je vais la suivre pendant une demi-heure, ok? Elios ronfle. Faut lui parler quand elle regarde un poisson? Comment elle fait pour marcher? T'as un truc à me dire sur le musée? Je vais piquer une tête chaton, je dirai rien, je serai muette comme une carpe. Genre les habitants, ils me teasent la mise à jour, quoi. L'atmosphère ici est des plus paisibles. Ben ouais. Absolument, je suis d'accord. Le nom de l'insecte! What? Attends. Je fais le singe. Hein? Mormolis. Attends, c'est quoi? Mais je le vois pas dans la liste. Ah si! Mais je comprends pas parce que ça je l'avais depuis un moment déjà. Elle dit bonjour à ses tontons, bah d'accord. Oh comme elle est choupette! Oh la vache! Ne bouge pas! Oh, mais si elle a bougé. Elle a bougé. Oh. Ah! 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 Oh! Ah! Je suis contente! Bref, alors du coup, les nouveautés, c'est où? C'est pas. Il y a une nouvelle salle ou j'ai loupé un truc là? Non, mais là où il y a rien. Je fais des allers-retours un peu, hein, Bibiche. Lucane copri irisé. Non mais, elle va toute... Me les fais pas toutes, ça sert à rien. Oh yeah. Oh yeah, c'est qui, c'est qui? Twitch, tu me gaves avec mes mots consécutifs? Mais what? Quel rapport? Merci, mais quel rapport du coup? Coucou Hugo! J'ai rien donné. De quoi? Putain, j'ai rien compris encore. Tu as craqué du slip. Ah mais non, tu me trolles! Putain. Alors c'est où? Me dites pas que c'est avec les insectes quand même. Non, je te troll pas. Je comprends rien du tout. Oh là là, la musique ici aussi. Oh, il y a des machins sur les arbres de partout. Je te jure, j'ai pas sub. Mais what? Oh là là, c'est l'incompréhension des plus totales. Oh. Oh putain, il y en a de partout. Ah. Il y a tous les scarabées sur le même arbre.
Je vais pas monter. J'espère que vous l'entendez le petit bruit, sinon c'est chelou. Hein. Qu'est-ce que c'est paisible par contre. Oh la vache. Ah, c'est l'abonnement prolongé. Attends, j'ai vu quelqu'un dire c'est pas là. Carrie, tu disais que c'était pas là par rapport aux poissons ou aux insectes? Deux semaines, j'avais pas accès aux émotes. Et t'as retrouvé ton petit cœur. Ah! Oh, caca. Excusez-moi. Insectes, c'est pas ici, ok. Oh là là, il y en a de partout. C'est dans les poissons, mais j'ai pas vu! Ah putain, mais oui, il manquait une salle. Non, non, il y a eu un gros bruit, mais j'ai aucune idée de si c'est dans la pièce d'à côté ou dans l'appart du dessus. Mais oui, j'ai pas fait cette salle, je suis con-con, moi. C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Je pense que c'était au-dessus. Ah oui! Regardez là! Les crustacés dégueux qui sont contre la roche. C'est pas beau, hein. Franchement, c'est pas beau. Ah là, il y a le poulpe qui est pas beau non plus, d'ailleurs. Oh, les méduses! Ah, ça, c'est classe. J'approuve. J'approuve. La palourde? C'est une... Non, c'est une palourde. C'est pas ce qu'on chope dans le sable habituellement. Pétoncle, rien à voir. Ben, on a tout vu du coup, il y en avait quatre. Pétoncle. Ça commençait par P. Voilà. Elle n'aimera pas ça. Dans ton apport. Et donc l'insecte. Mais je sais pas. Je sais pas. Bon bah on a vu. Je suis contente. Voilà. Je vais essayer d'en pêcher un ou deux autres. C'est sympa. Il nous reste une demi-heure. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, la pétante, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Bah en fait, pas grand-chose, en dehors de d'attraper des insectes et des trucs de mer et des poissons que j'ai pas encore attrapés. Puisque du coup, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ma journée, en toute logique. À part enlever des fleurs, quoi. Oh, requin! Un petit requin. Ah non. Pas un petit. Voilà. Un bon requin blanc. On a vu, on a vaincu. Oh là 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 là. Le petit poisson. Le petit poisson dans l'eau. Nage, 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 nage. Le petit poisson dans l'eau. Nage, nage bien comme il faut. C'est ça la fin, non? Une fois j'ai vu... Ah, l'aileron, c'est bien. Bravo. Cœur sur toi, Zoé. Ah, tout à fait. Mince, j'ai pas mis mon maillot. Je vais éternuer. Wouh, magnifique.
beaucoup mieux. Je peux faire comme ça. Ah, je peux faire des étoiles. Je peux. Non, je pense que je pourrais pas avoir des étoiles dans l'eau. Parce que si je clique sur A, elle va nager. En tout cas, c'est mignon. Puis les bruits de l'eau, ça c'est génial. Par contre, je suis pas rassurée. Toute seule au milieu de l'eau la nuit. On voit pas très loin non plus. C'est très très lent par contre hein, de nager. Mais vous voyez encore plus foncé. Ah non, ça c'est mon écran qui est pourri. Ah, des bulles. Sushi. Une moule. J'espère qu'elle a la frite. Comme j'étais, vas-y. Comme ça. Un peu con-con quand même. Hein. Tu veux faire une photo? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Stéphie? Ah, il y a des bulles. Cette blague. Mais c'est pas une blague, c'est une citation. De rien. Oh, mercredi. C'est pas ça. Viens là, viens là. Je me plante dans les touches. Ah, un pétoncle. Oh, ah ouais, c'est vrai. Mais il est reparti. Ah non, ok. Man, ton pétoncle là, je peux l'avoir. Ouais. Quelle générosité, man. Merci. T'as été sympa pour le pétoncle, je t'ai laissé un petit plan de bricolage pour te remercier. Il va te falloir des perles pour ce plan, mais on peut parfois en trouver au fond de la mer. Ah oui, c'est vrai! Quand j'en trouve, je les ramasse aussi, mais en échange d'un pétoncle, on pourrait s'arranger. Chez moi, c'est donnant-donnant, ça rime avec gagnant-gagnant. Oui, c'est ce que me dit Sabrina aussi, hein. Man. Je vais pas te laisser partir sans partager une pensée à méditer. Si on te dit que t'as une mémoire d'éléphant et que t'oublies de dire merci, c'est que c'était pas vrai. Nul. Ouais, ça fait réfléchir, ouais. Continue à nager dans le bonheur. T'inquiète, pendant 2 mois, là. Il est reparti. Regardez, regardez. Oh, j'ai pas le temps d'aller le voir. Non, mais... C'est quoi, ça? Oh, non. Oh là là, il est reparti tel un... Tel un... Je sais pas, mais j'ai une idée, mais j'ai pas les mots. Voilà. Très bien, très bien. Donc c'était quoi ce plan? Je pense pas que je puisse la prendre là. Voilà, dans l'eau, tout à fait. Ouais, c'est les plans des meubles sirènes là. Je suis pas très fan, je vous avoue, du design. Oh, ça c'est sympa. Une aménon. La meilleure amie du poisson clown. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. Tout à fait. T'as la guépard marin. En vacances à la plage. Oh là là. Ah mais
ça y va tout seul. Oh, des algues. Magnifique. Mmh. Du wakame. C'est du wakame, Léon. Oh, putain. Il faut le dire à voix haute, sinon tu comprends pas la vanne, en fait. C'est le genre de truc... Putain, il plane, mais il plane. Complet. Oh la vache. Ouais, c'est ça, Sweet. Il était bon, celui-là. Il m'a surprise. Donc, il m'a surpris, même. Comment... Je sais plus l'accord à ce moment-là. Ouais, non, ça, c'était bon. J'ai pas compris. Caméléon, Aurélie. J'ai loin. Oh, purée, pardon. C'était puissant, hein. J'entends un ballon. Non, pas du tout. En fait, une fois au fond, il n'y a pas besoin d'appuyer sur Y pour choper des trucs. Oh, c'est trop chou, ça! Algue raisin. Et tout ça sans pépins. Ben ouais. Là, c'était moins bon, quand même. Ah, le wakaméléon, là... J'approuve. Oh la vache. Alors l'inventaire, il en est où? Putain, c'est joli par contre. Ah, ça nous change. Oh, ça fait plaisir d'avoir de la nouveauté là. Oh la vache. Le lit sirène, juré. Moi je veux des perles du coup, s'il vous plaît. Les fameux raisins, exactement. Oh, il y a un gros poisson là. On a encore Pollux, on va pouvoir lui vendre. C'est pas l'échelle qu'il nous faut. Ah, il y a Bajou. Il y a la Bajour. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça fait de l'argent. Coucou Océane. Pas ce que tu fais de ta vie, mon gars. Va chez Sam, franchement, tu seras mieux. Il a piqué un sprint là. Oh là! Oh là, elle est dure la vie, hein. Ok. On a un gros poisson au ponton. Moi j'aimerais bien qu'il me donne des perles. Il y a un moyen poisson là, mais c'est pas au ponton. Tu lui fais peur. Je veux qu'il se casse. Ah bien aussi. C'est bien les poissons comme ça quand il y a Pollux. Non pas que j'ai besoin d'argent. Petit poisson, je t'ai fait peur. Oh. Ah, c'est un ballon. Bon, quelle heure est-il? Ah! On va aller vendre des trucs à Pollux. Et après, on ira mettre des trucs dans un musée. Ouh, gros poisson. Ah. De l'autre côté, mon gars. Oh, ça aussi, ça vaut de la thune. Ouais, la carpe, quoi. Ouais, mais ça sera pas un nouveau, ça. Oh! Non, ne pars pas, Vivienne. Ah bah non, c'est la dernière arrivée, elle va pas partir.
Chaton, un petit oiseau m'a dit que tu rêvais de mettre la main sur un set de nail art. J'en ai déjà, mais bon, vas-y, donne. Hmm, du coup, je t'en ai acheté un. J'espère que le petit oiseau s'est pas trompé. Je crois bien que si. Il est nul, cet oiseau. Les deux réponses, c'est pour dire non. Enfin, c'est pour dire je veux pas. Ou j'ai rien compris. Oui, il y a toujours une rediff, t'inquiète pas. Le temps que je la mette en ligne, ce sera plutôt demain. Mais tu peux la retrouver dans les notifs, sinon. Les deux... Ah, mais c'était juste pour me l'offrir. Oh, bon, ça va. T'inquiète, va. Pollux, mon ami. Complètement starbé. Oh, regardez, c'est mes deux habitants de base. Mais c'est trop chou. Attendez, je vais faire la photobombe derrière. Attendez, attendez. Oh mince, il y a l'arbre. Crotte. Photobombe. Et pas ouf ce photobombe, comme ça. Merde! Pardon. J'ai enlevé le mode photo plutôt que prendre la photo. Débilos! Photobombe. Merci pour le follow! Yes, tout à fait, sweet. C'est mes petits habitants. Ils sont mignons. Regarde Sam, tu vois, celle-là l'a poussée. Et ça, c'est la nouvelle qui est cachée, là. Salut. Vas-y, achète-moi le la poiscaille. C'est des poissons chers en plus. 40 000! Oh la vache! Rien qu'avec ça. Ah, va falloir que j'aille en poser à la banque. Yes, TKT, TKT. Alors, est-ce que de l'autre côté on peut choper des trucs différents? Non. Quel swag, t'as vu, hein? Non, bah non, non. Faut enlever la canne. Voilà. C'est trop bien. Alors, des bulles, s'il vous plaît. Ah, le Kawame, Léon. Je vais pas m'en remettre, je crois. Ah, les trucs moches. On dirait des doigts atrophiés un peu, non? Non, des boutons. Ah, c'est pas beau. Hein. Oh là là! C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus swag. Sur l'île de Cassie, au milieu de toutes ses fleurs, il sourit et achète des poissons. Oh, c'est quoi? Une limace de mer! C'est le concombre, nous, qu'il nous faut, hein. Spécial caisse dédiée à Ron. Oh. Alors, des bulles. Là. On peut pas avoir une perle. C'est Père Castor fleuri. C'est ça. Tenace, lui. Ah. Un bédoncle. C'est bien, mais c'est un peu long quand même. Pétante. Ah,
Bravo Orfeo. Oh là là. Le bouton là. Allez, une dernière pour la route. Je sais même pas où je suis là. Ah, regarde, regarde, ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Ah. Un bulot. C'est pas une petite souris toute bouillée. Oh, un mulot. Un mulot, c'est la petite souris toute mouillée. D'accord. Tes poches sont pleines. Ah, c'est con ça. Échanger pour voir. Non, parce que ça, on a déjà. Ça, on en a deux. Regarde, c'est dégueulasse. Berk. Je peux revenir à la terre ferme. Je sais pas où je vais. Il y en a plein des bulles là. On va passer le reste de la soirée à ça. De toute façon, c'est 48 déjà. Il s'en va, il s'en va. Bien placé, on dirait que tu es dans le film Océan Noir. Un pétoncle. Je viens de... Non, relâche, relâche, casse-toi. Océan Noir ? Connais pas. Enchanté, moi c'est Cassie. Les graphismes. Oula, c'est quoi ? Ah, méduse. Ouais, bah non, relâche du coup. Ah mais je connais pas les prix. Ah mais ça vaut pas grand chose, hein, je crois. Mais je suis où? À tous les coups, je suis derrière mon île. Une étoile de mer, mais ça c'est trop beau. Après, on peut pas en utiliser en déco, ce serait bien. Je sais pas si c'est possible. Ah bah oui, je suis derrière mon île. Hé, je suis sur la plage de Runar. Génial. J'ai fait le tour. Elle est toute mouillette. Ouais. Placé. Oh non, dommage. Bah oui, il lui faut de l'eau, c'est sûr, mais... Dommage qu'on puisse pas faire genre les étoiles de mer. Non, c'est cruel ce que j'allais dire. Bref. Oh yeah. Lune. 9e mois d'abonnement. Oh, Lune. Merci. Oh, ça fait plaisir de voir ton pseudo. La première raconte les derniers jours d'un couple qui, à cause d'un mal... d'une malgestion de la part d'une équipe qui fait faire de la plongée aux touristes, se retrouve abandonné au milieu de l'océan. Ouais, c'est un peu ça, hein. Sub, 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 sub. Qu'est-ce que j'aime cette émote. Mince, je vais où, moi? Faire une douna sur vous. Coucou, bah ça va, ça va. C'est les vacances, donc là je suis beaucoup trop contente. Mais Lune, j'ai pas vu un message de toi passer aujourd'hui et que j'ai pas eu le temps et après j'ai oublié de te répondre. C'est pas toi? Mais je sais plus où. C'était pas Instagram? Non, je sais plus. Ah! Je perds la boule. Non, c'est pas toi? Kyrian Univers, merci pour ton follow. Un message de quoi? Bah je sais plus. La mémoire ce soir, c'est pas ça, hein. Attends, je vais voir mes notifs. Oh, 1490? Ah. On est passé à 1400 quand? Oh non, trop triste. Attends, mais... Je t'ai croisé dans mes notifs. Ou alors c'était pas un commentaire YouTube? Non, je sais plus. À chaque fois que je te croise en plus, c'est beaucoup trop chou. Et là, j'ai pas eu le temps et j'ai oublié. Mais du coup, alors c'est pas aujourd'hui, c'était pas genre hier.
J'hésitais à te demander un truc, mais j'osais pas. Mais faux ! Vas-y, demande ! Tu nous as spoil le film. Non, il va falloir que je retrouve, là, c'est trop bête. Je suis sûre. Enfin, je suis sûre. Si tu me dis que non, c'est que non. J'ai dû rêver ou confondre, mais ça m'étonne. Putain. Oh, cette loose. C'est avec une joie fantastique que je te délaisse. Ne te tracasse pas, laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Ou alors ça remonte à plus longtemps. T'as pas laissé un commentaire ou un message dans les derniers jours? Pas forcément aujourd'hui. Là, je deviens folle. Mais genre, oh, tout ça? Nageuse d'été, oui, certes. Le boss de l'abysse. Plongeur céruléen. Voilà, pas connaître ce mot. Poc. Ah, mais oh, ok. Diversité iodée. Mais c'est terrible ce que tu racontes, Sweet. Eh ben, paye ton pétoncle. Pardon. Cynique, bienveillant. Ouh, ça c'est intéressant comme titre. C'est du bleu. Qu'est-ce qui est du bleu? Ok. Et du coup là, on en est où? Ah ouais, hein. C'est vraiment joli comme photo, par contre. Hein. Bon, ça, ok. C'est mignon comme tout. Ça passe un peu chelou. Oh. Oh, mais c'est trop mignon! C'est gentil. Je pense pas particulièrement avoir besoin, là, comme ça, mais c'est adorable de ta part, par contre. Ah, c'est du bleu. Et donc le lit de la sirène, là? Je fais les trucs dans le désordre, c'est terrible ce soir. Oh. Attends, reviens. Il y a l'icône ou pas? Il est où le lit? Ça cachait s'il y avait une icône de personnalisation. Ah, dommage, c'est que cette couleur. J'aime pas le rose. C'est problématique, hein. Le bruit de la cascade, j'ai cru qu'il pleuvait alors que je voyais pas. Bon, écoutez, c'était une découverte fort sympathique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Un poil de chat. Super. Ceux qui ont joué à la mise à jour déjà toute la journée, est-ce que j'ai oublié de voir des trucs? Mais qu'est-ce que c'est? C'est fort étrange. Je comprends pas. Ouais, est-ce que j'ai oublié de voir des trucs? Je pense pas. Hein. Plongée, masque, maillot. Ah! Oh purée, je l'ai pas celui-là. Oh, il est dégueulasse. Enfin, je sais pas si je l'ai pas en fait. Ah bah si, je l'ai. Super. C'est monstrueux. Ah! Non, tu as tout. Ok, parfait. Comme je rentre dans une école en octobre sur le design et le montage, j'aimerais bien m'entraîner avant pour avoir des bases. Ah ouais, mais c'est trop cool de faire ça. Ah. Oh putain, il y en avait deux. Je me fais avoir. Ça vaut cher, ça.
Ah mais non, mais je l'ai pas eu, celui-là. Il est parti tout à l'heure. Il a disappear. Ça vaut 600. Ouais, c'est pas ouf. Va juste sur le Nook Shopping. Ah ouais, j'ai pas fait ça. Bah je pense qu'on va finir là-dessus du coup, vu qu'il est 22h57. Du coup, le prochain live, ce sera certainement lundi après-midi, j'imagine. Je pense sur les 100 bébés. Pour ceux qui sont sur Discord, vous avez l'habitude, je vous reconfirme ça. Mais je... là, comme ça, je pense que c'est ça. Voyons. Bah oui, en plus, je suis venue là tout à l'heure pour avoir la clôture de paille pour celles qui savent. Ah ! Ouais, non, je préfère le mien. Ah, mais elle est pas belle ! Je l'aime pas, cette combi. Je vais attendre d'avoir des bons maillots, enfin, un maillot plus joli à la piscine, j'allais dire. À la boutique. Celui-là que tu prends, tu l'auras demain. De quoi, si je l'achète? Ouais, je sais, ça arrive le lendemain. Mais il m'intéresse pas, il est pas... Je le trouve pas beau. Et, mais c'est tout, du coup, en fait. Ah, purée, c'est peut-être Discord. Mais c'est ça, c'est ça. Tu vois, je savais que ça avait un lien avec Instagram. C'est ça. Et je voulais te répondre, et après j'ai pas eu le temps, et après j'ai oublié de revenir sur ce salon. Je suis pas totalement folle, les gens. C'est la conclusion de cette soirée. Il y a encore de l'espoir. Je vous dis. Il y a encore de l'espoir. Et ouais, ouais. Tant que j'y suis, les filles, j'ai rien à vous envoyer. À vous envoyer sur le Nook Shopping. Qu'est-ce que j'ai eu récemment? J'ai eu le billard en orange, si vous préférez, par rapport au vert classique. Ou en rouge. Je sais plus si c'est orange ou rouge. Un peu entre les deux. Qu'est-ce que j'ai eu de récemment? Non, d'intéressant, je crois que c'est tout. Quelle conclusion, t'as vu? La folie nous habite. À la boutique, c'est un qui a des rayures, mais il est pas ouf d'après moi. Ouais, moi j'attends l'autre modèle. Parce que dans la boutique, il y a deux modèles de maillots. C'est l'autre que j'ai envie d'avoir. Mais la combi de plongée, je la trouve pas jolie. Mais globalement, je les trouve pas jolies. Hein, que ce soit la combi ou les maillots. Je les trouve pas terribles. Mais j'en ai vu passer... Attends, je retourne sur mon Twitter. Puisque j'avais aimé le tweet, je crois. Que je retrouve... Ouais, c'est ça. Il y a... 4 couleurs de maillots rayés, noir, jaune, bleu, rouge. Il y a la combi d'achetable à la boutique, enfin là, en miles. Et il y a une autre combi maillot bizarre qui est avec des feuilles à vert, jaune, bleu, rose. Franchement, si je peux tomber sur le bleu, c'est ce que je préfère. Je peux pas vous le montrer parce que mon logiciel filme cet écran. Qui du coup n'est plus relié à l'ordi vu que c'est docké, enfin c'est la Switch, c'est compliqué à expliquer. Donc je vais pas vous montrer, mais ouais, de façon globale je les trouve pas terribles. Je les trouve pas terribles, c'est dommage, j'espère qu'ils en ajouteront avec le temps. Mais ouais, si je peux au moins avoir le vert ou le bleu de l'autre modèle de maillot, ce serait pas mal. Non, t'es pas folle. On doit retourner tranquille ce soir. Oh là là. Ninja de feu, merci pour ton follow. TKT, je connais bien les Québécois. Je me suis douté que c'était le titre. Bon, mais écoutez. Voilà, voilà. C'était sympathique.
Je suis contente d'avoir fait cette petite plongée ce soir. Et j'ai hâte de voir ça de jour, du coup. En espérant qu'il pleuve pas demain. Mmh. Ils sont encore là. C'est trop drôle. Merci à vous, les gens, d'avoir été là. Du coup, ouais, en effet, je pense que ce sera prochain live lundi après-midi. Si ça change pas, mais en toute logique, ça devrait être ça. Je vais laisser mon chéri tranquille ce week-end. Et après, vu que moi, je suis en vacances et que lui, il a encore un peu de boulot, je pense qu'on va, du coup, on va se recaler sur les lives de l'après-midi. Je sais pas si j'ai envie de garder le rythme un live un jour sur deux, comme on avait fait pendant le confinement, ou si je vais plutôt faire au feeling, mais je pense qu'on va repartir sur les lives d'après-midi, du coup, pour le moment. Après, ben, on verra s'il faut que ça change un jour, enfin un moment. Moi, du coup, je suis en live les deux mois. En live, putain. Enfin, les deux mois non-stop. Pendant les vacances. Les deux mois. Les deux mois, je suis en vacances. Je vais réussir à faire la phrase dans le bon ordre. C'est bien. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben, je sais pas. Bon week-end, du coup. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et bon week-end pour ceux qui n'ont pas de vacances encore. Les lives d'après-midi, ça me va vu l'heure de mon réveil. Ouais, non, non, t'inquiète, je t'impose pas les lives du matin ni les lives du début d'après-midi. Je pense qu'on va rester sur des lives aux alentours de 15h. Ça me paraissait être un bon rythme pour ce live rafraîchissant. Merci les filles qui ont partagé la plongée ce soir, c'était fort fun. Hein, fort fun. Et merci pour tous les resubs. Merci, 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 merci pour tous ceux qui ont follow. Merci pour les cheers aussi, Orfeo et Sam. Repose-toi bien, oui. Je suis debout autour de 8h en ce moment. Ouais, non, mais je suis navrée pour toi. Mais bon, du coup, effectivement, ça devrait pas trop te poser de problème actuellement. bis à vous. Et très bonne fin de soirée, très bonne nuit. Merci encore. Et puis, on se recroise tout bientôt, de toute façon. Voilà, voilà. Des bisous, des bisous.